Pour les gens, bienvenue au behind the scenes d'un film que je sais pas c'est quoi le titre. Apparemment, il n'y a pas de son dedans, fait que moi, c'est la seule vidéo qui va avoir de son dedans. On le place là, ou on le met là. Justin, mets-toi là. Alors voici la caméra qui filme le film dont je me rappelle plus le nom. C'est une caméra très trop grosse pour moi, tu vois, parce que moi je filme avec mon iPhone. Mario, c'est compliqué. Avoir dirigé les acteurs, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que tu penses de la scène que tu viens de filmer? Incroyable, franchement. Moi, je suis même pas dans l'équipe technique, je suis juste le scénariste. Franchement, tout est parfait, là. Alors, vous l'avez entendu avec vos propres yeux. Ça marche pas, ça, mais c'est pas grave. Tout va bien. Apparemment, ils mettent ma musique pendant le behind the scenes part, fait que c'est ça. Comment vous sentez en ce moment dans la pièce? Très, très silencieux comme interview, hein? Je me sens très inutile, j'ai pris des chips et c'est pas ma tour. Margot, live from la maison de Nicolas Jim. Pas tant de choses à dire, for real. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu penses que ça va être... Comment tu penses que ça va être l'expérience pour le viewer qui va voir cette court-métrage-là? 1 à 10, t'as dit. Ouais. Je dirais 1 à 12. 1 à 12? Wow! Je Comment tu te sens avant de filmer la scène, là? Est-ce que tu stresses avant de filmer la scène? Non, c'est une scène comme les autres. C'est la scène, la plus grande scène de ta vie, là? Non. Regardez comment il balance tes bras, là. What? Ouais, puis elle vient de taper sur l'épaule. C'est bon. Puis on coupe une fois qu'on est rentré assis. Comme ça, Mesdames et messieurs, vous venez de voir une pratique très bien exécutée, très boring aussi. Alors, comment te sens-tu face à avoir slappé Justin genre 10 fois? Pourquoi tu filmes tout? Des gens confus et très confus. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Des Doritos. Il est à terre, lui. Ouais. Oh. Donc, j'ai enfin de l'eau dans mon verre. C'est très bon l'eau. Alors, j'ai amené une petite modification au clap, whatever, là. Et j'ai mis Vive la Drumtime dessus. Parce que j'aime ça être fichu dans tout. Fait que c'est ça qui va se passer dans les prochaines scènes. Je fais de bon en fin de semaine. Ça commence. Je bois de l'eau. De l'eau tiède du pichet d'eau. Raphaël, sur une échelle de 1 à 10, comment useless est-ce que tu te sens en ce moment? Hein? Ben oui, si tu veux. Alright. Après, je suis allé comme personne ici, sauf. Yo, D-Rock! Et là, voici Julien qui arrive dans la scène du behind the scenes.
parce que c'est juste un extra. Chien, comment ça se passe? Il veut juste pas se lever. Il veut juste pas se lever en fait. Tu vas à côté, tu viens ici, genre tu dis genre viens Margot, et vous allez à la table. Je vais enlever ça qui est vraiment déjà. Non, j'aurais jamais eu les. Il va falloir que vous fassiez attention à la caméra. Ouais, ouais, c'est vrai. Je peux te mettre en dessous là, mais. Toujours un début à tout. Une carrière. Le début est loin par contre. Ah, mais on peut dire ça. C'est quoi le show? Tu vas te faire pitié avec ça? Tu sens que c'est un blocage, un blocage. T'as passé? Mais avec du pied. Mais il y a du poids aussi. J'ai quand même plus beaucoup de questions à poser aux gens là. C'est très excitant, mais très. J'aime bien les Doritos.